Bonsoir, on a retrouvé quelques éclaircies dans le nord-ouest ce mercredi. Ailleurs, c'est encore la grisaille qui a dominé les débats et on va la retrouver à nouveau pour ce jeudi matin installée sur les trois quarts du pays. Le soleil, notamment pour les Alpes, les Pyrénées et pour le bassin de la Méditerranée avec Mistral et Tramontane dans leur domaine. Peu d'évolution l'après-midi, le soleil surtout pour la Méditerranée et pour les reliefs. Alors tout de même, par rapport au jour précédent, la grisaille devrait par endroits parvenir à se déchirer et donc les plus chanceux auront droit à quelques belles éclaircies. Par endroits, ça restera gris toute la journée. Un peu plus de chance d'avoir le soleil sur les régions et les plus au nord. Les températures de ce jeudi matin comprises entre 2 degrés pour Épinal et 11 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, elles sont à peu près de saison. Il ne fera que 8 degrés à Metz, 9 à Auxerre, 10 degrés pour Lyon, 12 à Limoges, 14 degrés pour Mont-de-Marsan et autour de 15 à 20 degrés pour la Méditerranée. Des conditions calmes à nouveau pour vendredi avec toujours une grisaille tenace pour les régions du nord, mais ça devrait aller beaucoup mieux dans quasiment toute la moitié sud où le soleil sera présent durant l'après-midi. Les températures seront contrastées, il ne fera que 7 à 8 degrés et sous les nuages bas du nord-est, mais comptez sur 14 degrés à Bordeaux, et 16 pour Biarritz et 19 pour Ajaccio. Peu d'évolution pour le week-end avec un samedi coupé en deux. Au nord, une grisaille tenace. Au sud, d'ailleurs sur une large moitié sud, un grand soleil pour cette journée. Les températures seront donc très fraîches là où la grisaille va perdurer et dans la moitié nord, mais l'après-midi sera plutôt doux et sous le soleil du sud avec 15 degrés près de la Garonne, 17 à Biarritz et 19 à Ajaccio. La suite avec dimanche, un petit front pluvieux va glisser entre les Flandres et la Bretagne. À l'avant, encore de la grisaille, un temps plus lumineux dans le sud-est. On va retrouver de nombreux nuages pour lundi avec un risque d'averse notamment vers l'océan et vers la Méditerranée. Il fera bien frais, notamment sur la moitié nord où le vent de secteur nord-est va souffler. Et puis cette fraîcheur devrait s'accentuer pour la semaine prochaine au fil des jours avec encore de l'instabilité, mais cette fois-ci plutôt pour le sud, alors qu'au nord ce serait plutôt calme et lumineux. On affinera ces prévisions dans nos prochains bulletins. Direction ce soir le département des Hautes-Alpes sur la commune de Gap, où on était en cette fin de journée à la frontière entre la grisaille qui dominait sur toutes les vallées du nord des Alpes et le soleil qui faisait de belles apparitions en allant vers les Alpes du sud. Un joli cliché avec la lune qui se levait en cette fin de journée. Nous serons demain le jeudi 18 novembre et nous fêterons la Sainte Aude. Excellente soirée à tous et à demain.